dispositif en école primaire. Hein. Thank you.
Veuillez vous installer, s'il vous plaît. On va commencer. On ne m'entend pas? Oui. S'il vous plaît. Nous avons déjà pris du retard. Nous avons 25 minutes de retard, si vous voulez bien vous installer. Bon, on va commencer alors cette table ronde. Ah oui, merci. Oui, peut-être sans le masque, ça sera mieux en effet, oui. Hein, c'est mieux, voilà, ouais. Donc, bonjour à tous. Je crois que j'ai croisé pas mal d'entre vous. Donc, Corinne Reynaud, psychologue de l'éducation nationale sur le CIO d'Arles. L'idée aujourd'hui de cette table ronde, c'est des questions moi que je me posais quand je recevais ces jeunes au CIO étrangers de plus de 16 ans. Hein, donc j'avais un ensemble de questions qui me venaient et qui parasitaient un petit peu ma relation avec le jeune. Donc du coup, je me suis entourée de personnes pour répondre un petit peu à mes questions et je pense que c'est peut-être des questions qui sont communes. Hein. Donc, vous avez Dalila Azi, hein, formatrice au CASNAV, qui va rappeler les textes, hein, notamment les textes du droit à la scolarisation. Ensuite, nous avons aussi, alors je ne sais pas, on ne le voit pas pour le moment, qui est en distanciel, qui va intervenir aussi avec nous, c'est Hervé Gouillet, qui est responsable du pôle juridique Espace sur Marseille. Et nous avons aussi donc Alexia Peyre, psychologue à la PJJ, et Florence Pagès, psychologue de l'éducation nationale sur Paris, qui vont partir d'une situation concrète qu'ils ont suivie, hein, à partir justement de la réalité du jeune, de voir l'importance de partir de la réalité du jeune et l'importance aussi de travailler en collaboration, hein, comme quoi travailler ensemble permet aussi de pouvoir faire avancer des situations. Voilà, donc je vais laisser la parole à Dalila Azi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ah, vous m'entendez là. Voilà, donc je suis Dalila Azi, formatrice CASNAV depuis peu. Donc c'est ma deuxième rentrée. Je suis professeure des écoles spécialisée et donc j'ai enseigné pendant 31 ans dans les écoles primaires à tous les niveaux. J'ai enseigné au moins une douzaine d'années en UPE2A, en clean au départ, puisque ça s'appelait clean, hein, UPE2A, mais pas de façon continue, mais discontinue. Et je me suis aussi spécialisée à un moment donné pour travailler avec les adolescents en grande difficulté. Donc j'ai travaillé en SECPA, à Miramas, et j'ai travaillé aussi dans les dispositifs relais, et en classe passerelle, justement, en partenariat avec la PJJ sur Marseille. Voilà. Et donc, là, actuellement, je suis formatrice au CASNAV. Donc, on m'a demandé, on a été sollicité par votre association pour un peu vous parler des droits à la scolarisation, et, mais pas que. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le CASNAV. Donc, on va lancer le diapo. C'est moi qui le... Ah, voilà. Donc, je vais retourner en arrière. Hop. Voilà. Donc, je vais vous présenter le CASNAV. Déjà, il y a un CASNAV dans chaque académie, donc je pense que vous savez tous ce que c'est. Ensuite, les devoirs de l'éducation nationale, puisqu'on a un devoir en fait envers ces jeunes qui arrivent de l'étranger, qu'ils aient 6 ans ou 16 ans ou 18 ans même. Je vais vous parler aussi des missions d'évaluation. Pourquoi on évalue ces jeunes? Quelle est l'importance de ces évaluations, notamment pour les plus de 16 ans, qui est un enjeu crucial, alors que la scolarisation est un enjeu crucial pour leur intégration et leur régularisation en France. Et pour terminer, on fera un état des lieux, mais de l'Académie d'Aix-Marseille, puisque moi je travaille pour le CASNAV d'Aix-Marseille, et chaque année, en fait, on fait des statistiques sur
la prise en charge des EANA dans tous les niveaux, et notamment, plus précisément, les EANA plus de 16 ans et les MNA, ce qui est le sujet, je pense, aussi d'aujourd'hui. Alors, le CASNAV, c'est Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones, nouvellement arrivés et des enfants des familles itinérantes et des voyageurs. Donc, aujourd'hui, je ne vous parlerai que des EANA et non des EFIV. Les EFIV sont les enfants issus du voyage, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Je crois que vous avez un autre colloque sur les EFIV, non? Parce qu'on avait été sollicité aussi sur un autre colloque concernant les EFIV. Donc, notre équipe du CASNAV, pour ceux qui sont de l'Académie d'Aix-Marseille, doivent connaître un peu. Donc, on a une responsable académique, Madame Buat, d'Azen Adjointe, une coordonnatrice, Madame Thira Matignon, qui est nouvellement nommée, une chargée de mission administrative, donc la secrétaire, Madame Pinel. Nous sommes 8 formateurs sur l'Académie d'Aix-Marseille. Nous avons 2 formateurs sur l'antenne d'Avignon, qui sont presque en autonomie, hein, puisqu'ils gèrent pas mal de dispositifs sur Avignon, notamment les dispositifs EFIV. Et sur Marseille, nous sommes 6 formatrices. Et donc, on couvre les départements du 04, 05, 13, les 6 formatrices. Et donc, nos missions, elles sont diverses et variées. On a une mission de formation initiale et continue, d'accompagnement pédagogique des enseignants et des équipes. On est aussi centre de ressources pour les IEN, les recteurs, les chefs d'établissement. Donc on peut nous solliciter à tout moment pour intervenir dans les collèges et lycées, pour former des équipes, même s'il n'y a pas du PE2A dans le lycée ou dans le collège ou dans l'école. Hein. Parce que beaucoup de ANA qui arrivent aussi sur le territoire sont en inclusion et sans UPE2A. Donc ils ont besoin en fait d'outils et de billes pour pouvoir inclure au mieux ces enfants dans les classes ordinaires. Donc on suit les dispositifs, tous les dispositifs de l'académie, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, et on a aussi une mission qui fait, l'année dernière ça nous a pris un tiers de notre temps, une mission d'évaluation des plus de 16 ans en partenariat avec le CIO. Donc, par exemple, moi, j'évalue sur le CIO de Digne et sur le CIO de Vitrolles. Donc, j'ai vu des collègues de Vitrolles. Et Digne n'a pas pu venir, je crois. Hein. Et l'année dernière, j'évaluais aussi sur le CIO de Salon, qui malheureusement a fermé, comme vous devez probablement le savoir. Donc, il a été... on a basculé le CIO de Salon sur celui d'Istres. On a fait un regroupement. Voilà. Donc, quelques définitions. On m'a demandé aussi de vous apporter quelques définitions, c'est ça? Donc, UPE2A, unité pédagogique pour les... Ah, non, j'essaie de mettre, mais je crois que je le mets sur le public. Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Donc là, déjà, on voit qu'il y a un changement par rapport à avant. Avant, on parlait de non-francophones, de migrants, avant 2002. Et maintenant, on parle d'arrivants. Ce sont des enfants qui vont rester sur le territoire et pas de migrants qui migrent, qui transitent. Il y a un changement quand même de point de vue par rapport à cette population. EANA, c'est un élève allophone nouvellement arrivé, moins de 12 mois, hein. Plus de 12 mois, on ne considère plus que c'est un EANA. Donc pareil, on parle d'allophone, parce qu'un élève allophone maîtrise une ou plusieurs langues autres que le français, langue de scolarisation. Avant, on parlait de non-francophone, on niait ces langues, la langue maternelle, la langue de scolarisation antérieure ou la langue nationale du pays. Donc là, on lui attribue des compétences. NSA, c'est non scolarisé antérieurement. Ça, c'est important quand on évalue en CIO parce que souvent, on demande aux PSIEN de bien préciser, de bien faire préciser par les familles s'il est NSA, PSA ou son âge de... jusqu'à quand le jeune est allé à l'école, parce que ce sont des renseignements précieux. Je vais vous dire pourquoi par la suite.
Et MNA, c'est mineur non accompagné. Donc MNA, c'est nouveau aussi. Avant, on disait MIE, mineur isolé étranger. Donc là, on parle de mineur non accompagné. En fait, on essaie de, comme on les regroupe avec les mineurs non accompagnés français, parce que dans la société française aussi, il existe des mineurs non accompagnés pris en charge par l'ASU. D'accord ? Et souvent, on les mélange aussi, ces publics. Il y a une prise en charge MNA, mineurs non accompagnés qui viennent de l'étranger, les mineurs non accompagnés qui sont sur le territoire. Donc, nous, en fait, on se base sur les circulaires, dans la circulaire de 2012, la circulaire de 2012, oui, qui abroge celle de 2002, le BA, c'est le bulletin académique d'application, hein, qui nous dit comment, en fait, prendre en charge ces EANA, les modalités qu'il faut mettre en place, qui date de 2016. Et c'est nouveau aussi, on a un article de loi qui date du 26 juillet 2019, stipulant que la scolarisation est obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc c'est nouveau ça. Avant c'était jusqu'à l'âge de 16 ans. Et le décret du ministère de l'Éducation du 5 août 2020 qui parle de cela aussi. Alors la circulaire de 2012 stipule bien que la scolarisation des élèves allophones relève du droit commun et de l'obligation scolaire et qu'il faut assurer les meilleures conditions d'intégration des élèves allophones arrivant en France et que c'est un devoir de la République et de son école et que la prise en charge des EANA se fait en inclusion et qu'elle incombe à toute l'équipe pédagogique et pas seulement aux professeurs du PE2A quand il y a une PE2A dans l'école. C'est une prise en charge globale et on insiste bien sur l'inclusion parce qu'avant, on avait des CLIN, on avait des CLAS et c'était des classes fermées. On gardait les élèves ensemble pour qu'ils apprennent le français et ensuite on les mettait dans les classes. Mais là, en fait, l'inclusion se fait dès le départ, sauf particularité qu'on verra plus tard dans les lycées professionnels où il y a une UPE2A, PSA, NSA, ils sont ensemble normalement pendant une année et même certains pendant deux ans, quand ils arrivent avec un niveau très très bas en mathématiques et qu'ils ne savent pas lire ni écrire dans leur langue d'origine ni en français. Donc on fait une remise à niveau et dès qu'ils ont un certain niveau, donc on en parlera aussi tout à l'heure du niveau qu'il faut avoir pour basculer en filière pro, donc en CAP, hein, on ne peut pas envoyer des élèves qui ont un niveau CP, CE1 en filière professionnelle, bien évidemment. Donc ces filières lycée professionnel UPE2A servent à ça. Donc à l'arrivée, toute ANA à l'arrivée sur le territoire français a le droit à une évaluation et à une scolarisation. Donc dès que le jeune ou l'enfant premier degré arrive sur le territoire, il se rapproche de la mairie, les parents se rapprochent de la mairie et on l'inscrit dans l'école de secteur. Une évaluation est faite pour le positionner dans sa classe d'âge ou pas. On a droit à deux ans par rapport à la classe d'âge selon son niveau de scolarisation antérieure et à un soutien en langue française. Donc les évaluations se font dans les collèges et les écoles. Donc, particularité marseillaise, jusqu'à l'année dernière, à Marseille, pas les autres villes, que Marseille, ni Vitrolles, ni Salon, ni voilà. Marseille, c'était particulier. Les jeunes collégiens étaient évalués au CASNAV. On avait une formatrice spécialisée en évaluation de collégiens. Elle évaluait les 11-15 ans qui devaient être scolarisés sur les écoles de Marseille. Là, ça a changé. On a harmonisé. On a dit que ce sont les collèges. C'est mieux que ce soit les professeurs du PE2A qui auront en charge ces EANA, qui les évaluent pour avoir déjà une connaissance du jeune et pas avoir un dossier et recevoir le jeune sans connaître tous ses antécédents, sans avoir reçu la famille.
Voilà. Il me semble que c'est plus judicieux, comme ça se passe dans les autres villes, et ça se passe très très bien. Parce que moi, j'ai eu à le faire sur le collège de Berre. Donc, je recevais les familles dans un premier temps. J'évaluais le jeune dans la foulée et j'avais tous les renseignements pour pouvoir l'évaluer au plus juste. Et j'avais l'historique migratoire des élèves. Et vous savez que ça, c'est très important. C'est le thème de votre colloque, de voir un petit peu leur circuit migratoire qui peut expliquer pas mal de choses. Donc, et la dernière circulaire sur laquelle je vais... Enfin, c'est la loi, là. Donc, l'obligation pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité d'être formé. D'accord ? Donc, c'est une injonction de l'État hein, par rapport à nous, hein, à l'éducation nationale hein, et à tous les partenaires associatifs, les partenaires, par exemple, la mission locale, le CRS aussi, sur Marseille, le CRS... Il y a aussi le MASMENA qui accueille des jeunes en rupture. Et justement, tout à l'heure, vos collègues PSIEVEN vous exposeront un cas parce que avant de rentrer dans les apprentissages, avant d'apprendre, il faut être réparé. Il y a des jeunes qui ont besoin d'être réparés avant d'apprendre. Voilà. Parce que sinon, quand on a trop de problèmes psychologiques, on n'arrive pas à rentrer dans les apprentissages et ce n'est pas dû à la langue. C'est dû à autre chose. Et c'est vrai que le MASMENA sur Marseille, donc je ne sais pas sur les autres académies comment ça se passe, mais on a le MASMENA qui accueille des jeunes en partenariat avec l'éducation nationale. Ces jeunes de plus de 16 ans qui ont besoin d'être réparés. Donc, et pareil, donc tout jeune qui a... MASMENA, alors je ne sais pas, parce que ça a changé plusieurs fois. Avant, c'était PAEJ, ils accueillent les jeunes en fait en décrochage scolaire, le MASMENA. Donc, non, la définition, je ne l'ai pas, ça a changé depuis peu. Le MASMENA. MASMENA, ça s'appelle. Bon, on cherchera, de toute façon, si ça vous intéresse, je vous donnerai la définition tout à l'heure. Mais en fait, c'est une antenne, c'est comme une classe. Qui accueille des jeunes, je crois que c'est 12 places sur le STU des Chutes La Vie à Marseille. Donc, il y a un décret ministériel qui est paru en août 2020, donc on applique obligation de formation qui s'applique à tous les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans et de proposer un soutien au retour à l'école et à l'accès à la qualification et à l'emploi. Et tous les partenaires sociaux doivent s'en saisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aucun jeune ne doit être laissé sur le bord de la route, c'est l'objectif de ce gouvernement. Voilà. Va-t-on y arriver? Ça, je ne sais pas. Donc, si ça vous intéresse, parce que je vais vite passer là-dessus, donc le circuit d'accueil des EANA plus de 16, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à leur arrivée sur le territoire. Donc, quand ils arrivent, je vous ai expliqué que dans les écoles, ils passaient directement par la mairie ou alors par le collège. Et quand ils ont plus de 16 ans, il faut qu'ils se rapprochent en fait du CIO. Et c'est le CIO qui prend l'inscription du jeune. Et la formatrice qui évalue sur ce CIO viendra évaluer le jeune très rapidement. On fixe en général un calendrier et on peut rajouter des dates, par exemple, si on a beaucoup de jeunes qui arrivent. C'est ce qui arrive en ce moment sur Vitrolles et sur Digne. Je suis obligée de rajouter des dates parce qu'on a énormément de jeunes qui arrivent sur le territoire. Et en plus, sur Vitrolles, la particularité, c'est qu'il y a une antenne de l'ADAP13. Donc l'ADAP13, c'est une association... qui travaille avec le CD13 et qui s'occupe justement des jeunes là, qui arrivent sur le territoire. Il y a ADAP13 MNA sur Vitrolles. Donc une fois qu'on l'a évalué, que la formatrice a fait une préconisation, là vous rentrez en scène, vous faites les vœux avec le jeune ou avec la famille, ou le responsable légal, ou le référent ADAP13, parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de MNA dans l'Académie d'Aix-Marseille, et notamment à Marseille. Et ensuite, on a l'ADE, donc la PSIEN envoie le dossier à l'ADE et au CASNAV, parce que nous,
on archive, on fait des statistiques, et puis on suit quand même, on essaie de suivre autant que faire se peut les affectations. Et voilà. Donc là, c'est le style de document que vous avez tous. Donc c'est ce dossier qu'on remplit. Bon, je pense que vous ne le voyez pas très très bien. Donc on demande en fait des éléments essentiels pour nous. C'est le nom, le prénom, sa date de naissance, important. Parce que s'il a moins de 16 ans, on ne l'évalue pas en CIO. S'il a plus de 19 ans, on ne l'évalue pas. Donc on peut l'évaluer, les jeunes en CIO, de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, au 31 décembre 2019. Ça veut dire que s'il a eu 19 ans en février et qu'il arrive en mars, on doit l'évaluer. D'accord ? C'est l'année de ses 19 ans. Ça, c'est important. Et une pièce d'identité, enfin, juste une pièce qui justifie sa date de naissance et un justificatif d'adresse. Ouais. Donc, pourquoi on évalue ? Parce qu'une évaluation... Une évaluation bien précise, en fait, est indispensable pour une scolarisation intérieure adaptée aux besoins de l'élève. Donc on s'adapte aux besoins de l'élève. On ne va pas dire cet élève, il a été scolarisé en cinquième chez lui, bon, on va le balancer en cinquième, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a été scolarisé en première, en scientifique dans son pays, bon, on va le mettre en première scientifique ici. Non, c'est simplement pas possible. Vous allez voir pourquoi. Donc, une fois qu'on a évalué, en fait, ce jeune... Voilà, on va l'évaluer. Alors, qu'est-ce qu'on évalue ? Qu'est-ce qu'on évalue ? On évalue la francophonie, les quatre compétences de la francophonie. Donc, compréhension orale, compréhension écrite, production écrite. Et grâce à ce test sur la francophonie, on dégage, en fait, le besoin en UPE2A. C'est-à-dire, est-ce qu'il lui faut un soutien intensif, un soutien léger, ou pas de soutien du tout ? On a des élèves qui arrivent, qui sont complètement francophones, qui ont un très bon niveau... Et ils vont directement en classe. Ensuite, on évalue en lecture et mathématiques, mais en langue d'origine. Donc si un élève, par exemple, c'est pour ça d'où l'importance des tableaux qu'on envoie au CIO, quand on vous demande le niveau scolaire, c'est très 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 important pour nous. Parce qu'on va partir de ce niveau et puis on va baisser. Par exemple, un élève qui arrive en cinquième, j'ai eu le cas hier à Digne, je vais lui proposer cinquième. Ça va pas trop difficile, sixième. Ça va pas trop difficile, cinquième. Hier, j'ai rétrogradé jusqu'au CE1. Alors imaginez si cet élève, on l'envoie directement en cinquième. Il sera décrocheur total. Il n'ira plus à l'école. Donc c'est important de bien marquer le niveau de scolarisation. Et nous, à partir de cela, on évalue en maths et en lecture. Et c'est vrai que c'est les mathématiques qui nous servent de positionnement par rapport à son niveau. Donc on a une grille en fait, on a une grille, un outil qu'on a fabriqué au CASNAV sur où positionner les jeunes quand ils arrivent après 16 ans. Donc, et en fait, on a les UPE2A LP. NSA-PSA, ça veut dire les UPE2A, LP-NSA-PSA, qui accueillent les élèves en classe fermée au départ, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais essayer d'aller vite parce que le temps presse. Et là, en fait, ce sont vraiment les élèves qui arrivent de l'étranger, qui ont été très peu scolarisés ou pas scolarisés, qui commencent à lire ou pas, qui sont analphabètes, et qui ont un niveau en mathématiques très faible. Donc là, c'est un professeur spécialisé qui a 18 heures, et qui va les prendre en classe pendant 18 heures, et qui va faire de la lecture, de la maîtrise de la langue, les quatre compétences, et des mathématiques. Pour, justement, au bout d'un an ou deux ans, récupérer au moins un niveau CM2, pour pouvoir ensuite bénéficier d'une formation en CAP. Parce que pour aller en CAP, comme vous le savez tous, il faut au moins un niveau CM2 en mathématiques. D'accord ? Voilà. Et même, on m'a même demandé il y a deux semaines, comme il n'y avait plus de place en CAP, j'avais évalué un jeune qui avait un niveau CM1. Il y a une psy-UN qui m'a demandé si elle pouvait le mettre en bac pro. Moi, j'ai dit, oui, c'est possible. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi c'est possible ? Ces jeunes, surtout les MNA, ça fait des années qu'ils ont été déscolarisés.
Donc ils arrivent à l'âge de 16 ans, quelquefois ils ont été déscolarisés à l'âge de 10 ans. Donc 6 ans de déscolarisation, le jeune désapprend. Ça veut dire que si on lui remet le pied à l'étrier, mais comme il faut mettre les moyens dès le départ, ne pas abandonner le jeune, il faut qu'il se sente en sécurité. Dès qu'on le met, on lui met le pied à l'étrier, il progresse très très vite. Et moi je le vois en évaluation, ils ont vraiment envie et ils ont la niaque. Vraiment. Il me reste peu de temps. Ah, il me reste peu de temps. Donc je vais sauter ça. Oui. Ouais. Après, mais, c'est vrai que c'était important aussi de voir au niveau des particularités sur Marseille, parce qu'on voit qu'il y a des différences entre académies. Je pense que, voilà, hein, vous avez pu le remarquer. Quand je, voilà, j'ai lu aussi des documents, on voit qu'il y a vraiment des différences, voilà, qui, les choses ne vont pas pareil. La collaboration n'est peut-être pas la même non plus. Nous, on a cette chance de bien collaborer avec le CASNAV. Donc là, en fait, c'est le circuit. Donc vous connaissez ça, hein, le circuit du dossier. Et ça, ce sont les chiffres de l'Académie d'Aix-Marseille. Donc je vous dis vite. On a en premier degré, on a 95 postes sur l'Académie d'Aix-Marseille. UPA, UPE 2A Collège, 45 postes et demi. Un poste, c'est un poste d'enseignant, hein, excusez-moi. Donc UPE 2A, en fait, quand j'écris UPE 2A, c'est poste UPE 2A, c'est poste d'enseignant. Premier degré sont les professeurs des écoles qui ont en charge des groupes d'élèves et qui sont inclus dans les classes. Hein. Ils prennent les élèves de temps en temps, ils leur font du soutien, ils leur apprennent la langue française de scolarisation et française, la langue française seconde. Au collège, de même, c'est en inclusion, d'accord. Ils sont toujours rattachés à une classe d'origine, hein. Donc, et ils font les allers-retours entre l'UPE 2A et leur classe attitrée, la classe ordinaire. Et en lycée, vous avez vu qu'en fait, il y a en tout, dans l'académie, 16 structures qui accueillent les plus de 16 ans. Donc 12 LP, lycée pro, 2 LGT, 2. Et un MASMENA. Donc le MASMENA, c'est la structure PJJ. Donc, vous allez voir qu'avec les chiffres, c'est compliqué de faire rentrer tous ces jeunes dans ces dispositifs. Mais il faut savoir aussi que dans l'Académie d'Aix-Marseille, un chef d'établissement qui, par exemple, a des EANA dans son lycée ou dans son collège, mais qui n'a pas de dispositif UPE2A, peut demander des HSE. Il fait une demande auprès du CASNAV, il y a une feuille spécifique à remplir en ligne, et il demande des HSE qu'on lui attribue. Voilà, parce qu'on n'a pas d'essai de dispositif dans l'académie. Donc les chiffres sont là, hein, 1300 premier degré, second degré, dans le collège, on en a scolarisé 1161 l'année dernière. Vous avez vu que les chiffres, en fait, n'arrêtent pas d'augmenter, sauf, évidemment, là, ces deux années sont creuse par rapport à 2018, puisque c'est dû à la pandémie. Donc la pandémie a évidemment freiné le flux migratoire. Nous, on ne pouvait pas sortir, mais les autres non plus ne pouvaient pas rentrer. C'était dans tous les sens. Et, sauf que là, lycée, j'ai marqué 589, mais ce sont les jeunes évalués. Ça, ce sont nos chiffres, hein, les statistiques qu'on fait chaque année. Donc ma collègue qui a fait les statistiques, donc 589 jeunes évalués dans les CIO de l'Académie d'Aix-Marseille, hors Vaucluse. Parce que le Vaucluse fonctionne un peu en électron, pas libre, mais bon, c'est normal, ils sont en autonomie. Donc vous avez vu, 589 jeunes. Donc, voilà, ça c'est la répartition. En fait, 80% de ces jeunes qui arrivent, plus de 16 ans, se trouvent sur Marseille. Exclusivement sur Marseille. Donc l'origine subsaharienne, pays francophone, le Maghreb, parce qu'on apprend le français. Donc pour eux, c'est un avantage de venir en France, parce qu'au moins, ils n'ont pas la barrière de la langue. Ouais. Mais on assiste de plus en plus à des jeunes qui arrivent de pays d'Afrique anglophone. Alors, Brexit ou pas, je ne sais pas pourquoi, à creuser. Donc là, nombre de MNA. Donc vous avez vu que, regardez le nombre de MNA, dans les Bouches-du-Rhône, 84% des jeunes évalués de plus de 16 ans
sont des mineurs non accompagnés. Et là, c'est la répartition, les préconisations d'orientation. Donc nous, ce qu'on a préconisé quand on va dans la CIO, donc on a préconisé 334 en LPUPE2A. Vous allez voir que le nombre d'LP ne suffit pas pour absorber tout cela, sachant que, en plus de ces jeunes qui sont évalués, qui ont été évalués cette année, il y a les jeunes qui sont arrivés l'année dernière, donc qui peuvent bénéficier de 2 années parce qu'ils sont NSA et PSA. Donc on peut rallonger d'une année. Normalement, la prise en charge, c'est 1 année. Donc vous avez vu le nombre que ça fait quand même, c'est énorme. Donc en DAC, c'est dispositif d'accueil, donc c'est la MLDS qui s'en charge. Donc les CIO travaillent en lien avec la MLDS. Hein, moi, je sais que sur Digne, ça se fait, donc je pense qu'ailleurs aussi. LGT, UPE2A, 37. D'accord. Et on a une classe de 24 sur Marseille. Voilà. Donc, ben voilà, je vais vous dire merci. Et pour votre attention et l'intérêt que vous portez aux EANA, ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est un public que j'affectionne particulièrement. Merci. Bon. Alors Hervé, est-ce que vous êtes parmi nous? Ah, Hervé a-t-il disparu? Ah, le voilà. Ok, je vous laisse vous présenter et puis. Vous me voyez ou pas? Là, vous voyez que mon écran, c'est ça? Où est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Là, vous ne voyez que mon écran, c'est bien ça? Allô? Pardon. Allô? J'entends pas ce qu'il dit. Il demande si on le voit et si on l'entend. Oui, on vous voit et on vous entend. D'accord, très bien. Donc, et on voit le PowerPoint aussi. Ok, très bien. Alors, je me présente, je suis Hervé Gouillet. Je suis le responsable du pôle juridique de l'association Espace. Est-ce que vous voyez la présentation de mon association à l'écran? Oui, oui. Ok, très bien. Donc voilà, Espace est un centre de ressources pour les acteurs de l'intégration. Ça veut dire espace de soutien aux professionnels. J'insiste sur ce point puisque nous ne faisons pas d'accueil du public. Nous venons en appui qu'aux professionnels et aux bénévoles de l'association qui accompagnent les étrangers. Donc à ce titre, un professeur qui identifierait un élève étranger qui rencontre un problème en droit des étrangers pourrait faire appel à nos services, notamment à la permanence juridique téléphonique que l'on met à disposition de tous ces professionnels. D'accord. Donc, espace de soutien aux professionnels de l'accueil et du conseil aux étrangers. Nous intervenons sur tout le champ du droit des étrangers, le séjour, la protection sociale, les droits des mineurs étrangers aussi, en particulier. Voilà. Comme je sais que j'ai très peu de temps, donc je vais aller assez vite. C'est le site de notre association. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous y rendre. Et en page d'accueil, vous retrouverez présenté à peu près l'ensemble de nos activités. Alors, parmi ces activités, donc la permanence juridique téléphonique, ouverte uniquement aux professionnels tous les matins. On répertorie aussi les lieux d'accueil. Alors, l'accueil se fait dans des structures spécialisées. Donc là, la hotline, je vous le présente, hein, la hotline juridique, donc ça, c'est le numéro de téléphone. Et les permanences d'accueil ont lieu dans des structures telles que, alors par exemple, à Arles, le point d'appui et d'accès aux droits des étrangers est porté par le CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, à Arles. Et vous pouvez retrouver des points d'appui dans tout le département. Voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement la carte. Voici toutes les permanences d'accueil des étrangers où vous pouvez orienter des jeunes qui pourraient rencontrer des problèmes, en particulier des problèmes d'accès au séjour. Voilà. Alors, j'en fais la transition directement vers la question du séjour. Pour les mineurs isolés
Étranger. Nous, alors, nous, on conserve le terme mineur isolé étranger et non pas mineur non accompagné. Alors, tout simplement parce que mineur non accompagné est un euphémisme de mineur isolé. Et au passage, on a gommé la particularité qui est ils sont étrangers. Et le fait de la gommer n'est pas anodin. Et nous, on le rappelle avec force, il s'agit avant tout de mineurs isolés étrangers parce qu'ils sont victimes de graves discriminations dès le départ, notamment dans leur mise à l'abri. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'illustrant par le fait que des dizaines, voire des centaines de mineurs sont encore à la rue parce qu'ils refusent obstinément de leur offrir un toit ou en les déclarant abusivement mineurs alors qu'ils devraient, dans le doute, être majeurs alors que dans le doute, ils devraient être pris en charge. Bon. Je parle de ça parce qu'en matière de scolarisation, ça peut avoir de l'importance. La discrimination, elle peut être directe. Alors ça, c'est le conseil départemental en refusant de mettre à l'abri certains mineurs étrangers du fait de leur nationalité étrangère peut faire de la discrimination directe, mais on peut se retrouver aussi à faire de la discrimination indirecte et là, du coup, l'éducation nationale, peut-être à son corps défendant, peut être amenée à en faire quand, par exemple, elle dit qu'on va attendre l'évaluation par le conseil départemental de la minorité du jeune avant de l'inclure dans un processus de scolarisation ou avant de lui faire passer les tests d'évaluation par le CASNAV. Alors, bon, il faut savoir que ce sont des choses qui sont complètement distinctes en droit et qu'on ne peut pas mélanger. Et puis, il faut aussi savoir que la moitié des jeunes qui ont été déclarés majeurs par le conseil départemental seront quand même bien in fine placés à l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants qui estimera que le doute doit profiter aux jeunes. Parce que, bon, il est vrai qu'en la matière, 18 ans, il est parfois difficile d'estimer l'âge, mais que pour des raisons financières, et le conseil départemental ne s'en cache pas, Martine Vassal avait affirmé haut et fort que ces jeunes-là avaient suffisamment abusé, je la cite, de la générosité des provençaux. Par conséquent, il n'y a aucun problème pour elle pour les laisser à la rue. Alors, en matière de scolarisation, il se trouve que parfois l'éducation nationale se fait le relais de cette discrimination à l'origine parce qu'on va attendre l'évaluation du jeune, l'évaluation de sa minorité par le conseil départemental, ou alors on va refuser de le scolariser parce qu'il aura été évalué majeur. Bon, alors ça fonctionne, ça ne devrait pas tout à fait fonctionner comme ça parce que le droit à la scolarisation qui est inscrit dans le code de l'éducation n'est absolument pas lié à une évaluation de la minorité ou pas. Et puis, le droit de la scolarisation à la scolarisation ne s'arrête pas forcément à l'âge de 18 ans. Alors, l'article L122-2, c'est un peu de droit, hein, c'est notre rôle que de rappeler aussi comment ça fonctionne d'un point de vue juridique. Le droit à la scolarisation, il est inscrit dans le code de l'éducation. Il précise que, je ne sais pas si vous le voyez, si vous arrivez à lire, je vais grossir au maximum. Donc, l'article L122-2 du code de l'éducation. Je pense qu'on n'a pas la bonne diapositive. Vous n'avez pas la bonne diapositive. Alors, on est toujours sur espace. OK. Je vais arrêter le partage et je vais reprendre le partage à partir de la nouvelle. Donc, voilà, hop là. Ça marche? Non. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, OK, il va falloir que j'arrête à chaque fois le partage et pour reprendre le partage ensuite. Donc, voilà, tout élève, ce que dit l'article L122-2, c'est que tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, alors la scolarité obligatoire, c'est jusqu'à l'âge de 16 ans, hein, qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré, est classé au niveau 3, bon, ça je passe, doit poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'État prévoit les moyens nécessaires dans l'exercice de ses compétences à la prolongation de la scolarité qui en découle. Quand on parle de tout élève, il n'y a pas marqué tout élève de moins de 18 ans. D'accord ? Alors, il est vrai que peut-être qu'à partir de 20, 21 ans, la place d'un jeune n'est plus forcément dans un lycée ou dans un collège, il peut y avoir d'autres dispositifs de rattrapage, mais le prétexte selon lequel
Bon, dans le doute, il aurait 18 ans ou moins et n'a pas d'incidence sur son droit à être scolarisé, malgré ce que dit cet article, que ce droit pourrait sembler en fait réservé seulement aux mineurs. Hein, et au troisième alinéa de l'article 122-2 dit que tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de 16 ans. Mais l'absence de précision sur l'âge fait que, en fait, au-delà de 18 ans, on a toujours ce droit. En attendant, alors ce que dit la justice là-dessus, c'est intéressant parce que certains accompagnateurs, éducateurs, accompagnant ces jeunes, confrontés à des difficultés de faire passer l'évaluation par le CASNAV, par ces jeunes, parce que justement ils n'ont pas encore été évalués, ont engagé des recours au tribunal administratif. Et je vais vous présenter un petit site que l'on a monté, qui est un site d'accès de présentation de la jurisprudence spécialisée en droit des étrangers. Et concernant donc les mineurs, alors il va falloir que je change de diapositive du coup. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, écran partagé. Hop là, ça va être ça. Vous le voyez? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, en matière donc, de scolarisation, on a pu avoir des difficultés de scolarisation à cause du conseil départemental. Je ne sais pas si vous arrivez à lire hein, correctement. Est-ce que c'est suffisamment grand? Alors, donc en matière de scolarisation, oui, d'accord. Donc en matière de scolarisation, on a pu avoir des refus du conseil départemental qui ne faisait pas les démarches pour les scolariser. On s'apercevra que à chaque fois, la justice leur donne tort, sauf quand on fait le recours en plein été. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'urgence à résoudre le problème du refus de scolarisation. Alors, j'ai dit qu'il n'y a pas d'urgence parce qu'on est dans le cadre, tous ces recours sont des référés liberté. Le droit à la scolarité, le droit à l'instruction sont des droits qui ont été consacrés par le Conseil d'État comme des libertés fondamentales. Donc quand on porte atteinte à ces libertés fondamentales, le juge administratif est compétent dans le cadre d'un recours particulier qui s'appelle le référé liberté pour enjoindre, donner injonction au conseil départemental d'entreprendre les démarches de scolarisation. Ces référés, on les gagne tout le temps. D'accord ? Et le jeune, en plus, il a la capacité juridique pour le faire tout seul s'il le veut. Il sera accompagné d'un avocat, mais il n'a pas besoin d'un représentant légal pour pouvoir engager ses recours. Ben, un jeune de moins de 18 ans qui n'est pas scolarisé, qui engage un recours au tribunal administratif, le gagne systématiquement, à part s'il le fait en plein été, parce qu'en plein été, il n'y a plus d'urgence. La rentrée, reprenant seulement quelques semaines plus tard. Mais bon, donc on a eu, ça a été traité par la justice, on a pu avoir des refus de faire passer l'évaluation CASNAV, donc au motif, justement, là, ce cas particulier, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à lire là? Non. C'est trop. Alors, je vais grossir. Je vais grossir mon écran, voilà. Hop là. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune. Alors, ce n'était pas un référé liberté, c'était une autre forme de référé qui avait été utilisée. C'était un référé suspension. Mais un référé liberté marcherait tout aussi bien. Donc, voilà. Ce jeune se voit refuser l'évaluation de son niveau de français et de connaissance en vue de sa scolarisation, il se le voit refuser au motif que l'aide sociale à l'enfance a refusé de le prendre, donc en estimant qu'il était majeur. Donc la justice donne tort au CASNAV, on ne peut pas refuser d'évaluer les connaissances d'un jeune qui se prétend, enfin, quel que soit son âge d'ailleurs, pour qu'il puisse prendre, réintégrer une scolarité, puisqu'en fait c'est un droit qui est inscrit. Par ailleurs, ce droit à la scolarité, c'est un droit qui est constitutionnellement garanti, c'est-à-dire que toute personne, c'est-à-dire indépendamment de l'âge, toute personne a droit à l'instruction. Donc après, il y a la question de où on met les gens.
Donc, il est évident qu'un jeune de 25 ans n'a pas forcément sa place dans un collège ou dans un lycée, mais la barrière de l'âge à 18 ans ne se pose pas forcément. À 18 ou 19 ans, il peut très bien, ça dépend de son niveau, il peut très bien réintégrer une classe de seconde, par exemple. Voilà. Donc, refuser de faire passer l'évaluation, enfin, l'évaluation des connaissances d'un jeune au motif que l'aide sociale à l'enfance l'a refusé n'est pas un motif légal. Voilà, on peut avoir des refus de scolarisation de l'académie. Alors, pour deux motifs principaux. Alors, d'une part, il faut savoir que à partir du moment où le jeune a un niveau de français suffisant pour intégrer un niveau de français suffisant et un niveau général pour intégrer une classe normale, en aucune façon l'académie peut refuser la scolarisation d'un jeune. C'est-à-dire que l'excuse du manque de place n'est pas possible. En revanche, on ne peut pas non plus, donc je reviens, c'est une autre entrée, on ne peut pas non plus refuser la scolarisation après une évaluation CASNAV en raison d'un refus de prise en charge par l'ASE. Vous avez donc ici de la jurisprudence, dont des TA de Marseille, hein, le tribunal administratif de Marseille, c'est des exemples. On ne peut pas refuser de scolariser un jeune du fait qu'il n'a pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ça ne tient pas comme motif en droit. Et par contre, alors, le juge administratif admet, vous avez vu, je n'ai pas précisé, mais en orange apparaissent des décisions qui sont défavorables aux jeunes qui ont engagé des recours, en vert apparaissent des décisions qui sont favorables. Alors, quand le jeune n'a pas le niveau requis et que sa place est en UP2A ou dans un dispositif adaptatif, là, par contre, le juge administratif admet que l'académie ne puisse pas le placer. Donc, le droit à la scolarité pour les jeunes qui n'ont pas le niveau requis n'est pas complètement garanti. Le juge administratif reconnaît qu'il peut y avoir une atteinte à cette liberté fondamentale, à ce droit fondamental qui est le droit à l'instruction ou à la scolarisation. Donc, le juge administratif l'admet, mais quand même dans certaines limites, compte tenu des diligences qu'aura effectuées l'éducation nationale pour lui trouver une place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire « t'as pas le niveau et j'ai pas de place », il faut essayer quand même de lui trouver quelque chose. Sinon, on prend le risque que, que le juge… enjoigne à l'académie de trouver une place dans un dispositif adapté à son niveau de scolarité. Voilà. Je reviens donc sur les refus de prise en charge. Ça, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Voilà. Alors, il faut... la scolarité, alors, outre, il y a un enjeu... Il y a un enjeu presque moral pour ces jeunes qui puissent être pris en charge, mais il y a aussi un enjeu d'avenir parce que rentrer dans une formation et être scolarisé va être déterminant pour leur accès au séjour à la majorité. Et ça, c'est un autre aspect de la question. Ces jeunes, je vais donc changer d'écran, donc j'arrête le partage, voilà, et je vais aller... voilà. Hervé, 5 minutes. Hein. Oui, j'en ai pour... Ça se termine. Juste pour attirer votre attention sur... Et ça va se terminer là-dessus. Donc, je refais le partage d'écran. Voilà. Voilà. Vous avez ici... J'espère que vous le voyez. Vous le voyez bien? Donc, ça, c'est l'article L435-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers qui réserve la possibilité aux jeunes confiés à l'ASE entre 16 et 18 ans qui leur permet d'accéder au séjour sous un certain nombre de conditions et notamment on leur demande de suivre une formation destinée à leur apporter
une qualification professionnelle pendant au moins 6 mois, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Et on va aussi prendre l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française, et son insertion se réalisera donc d'une part dans la maison d'enfants à caractère social qui l'accueille, et puis d'autre part à l'école. Le temps perdu entre le conseil départemental qui ne va pas le reconnaître mineur et qui donc va forcer le jeune à saisir le juge des enfants, le temps perdu à passer le test CASNAV, le temps perdu à trouver finalement une case pour ce jeune, va faire que par exemple, si un jeune est arrivé à 17 ans, il peut, et ça arrive, c'est ce que nous on observe fréquemment, il n'a pas commencé son processus de scolarisation et de formation professionnelle quelques semaines avant ses 18 ans, et ça compromet énormément ses possibilités d'admission au séjour, puisque ça sera vraiment déterminant dans la façon dont la préfecture se positionnera sur son droit au séjour. Et puis aussi, alors ça, si ça vous intéresse, vous retournerez sur le site de quel droit. On voit que les efforts de ces jeunes, notamment à travers leur scolarisation, le mérite de ces jeunes, et on voit qu'aussi l'éloge des professeurs sur leur relevé de notes, tout ça est déterminant pour qu'à la fin, ces jeunes qui sont pour la plupart extrêmement motivés, hein, contrairement à ce que nous dit Éric Zemmour, effectivement, il peut y avoir un peu de délinquance chez des mineurs, mais c'est surtout sur ceux qu'on laisse à la rue et qu'on ne prend pas en charge. Mais nous, les jeunes que l'on connaît à travers les éducateurs qui les suivent dans les maisons d'enfants à caractère social, disent que c'est quand même plus sympa de travailler avec ces jeunes extrêmement motivés et déterminés qu'avec les cas sociaux de nos départements, et donc il y a pas mal d'éducateurs qui préfèrent travailler avec ces jeunes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'éducation nationale a un rôle à jouer dans l'insertion de ces jeunes, qu'il faut aller vite, hein, le plus vite possible. Alors je connais les limites de vos limites de vos moyens, quoi, mais selon moi, et c'est ce que l'on dit dans les formations professionnelles, ça n'a pas l'air de se passer mal dans les Bouches-du-Rhône, mais ça pourrait se passer mal ailleurs. Un jeune qui n'a pas passé son évaluation 2 mois après l'avoir demandé, c'est complètement anormal. Un jeune, et donc là, il ne faut pas laisser faire. Un jeune, une fois que son évaluation a été faite et que l'évaluation conclut au fait qu'il puisse intégrer une classe normale, doit être immédiatement affecté dans cette classe et pas 1 ou 2 mois après. C'est avec la conscience de ses droits qu'on peut aussi accompagner ces jeunes quand on repère un dysfonctionnement. Ça peut arriver. Alors là, c'est là que je vous disais, orientez-vous vers les points d'appui et d'accès aux droits de façon à pouvoir mettre en œuvre ces droits-là, parce que les recours, et je crois que vous en avez aussi fait l'expérience, marchent très bien. Un référé liberté, vous saisissez le juge, et en 48 heures, il donne la réponse. Donc, s'il estime qu'il y a eu atteinte à un droit fondamental, il peut très bien ordonner à l'Académie de mettre en œuvre ce droit. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je voulais mettre en garde contre surtout les processus de discrimination indirecte. La salade de l'aide sociale à l'enfance en lien avec la DAP 13 qui fait l'évaluation des jeunes ne doit avoir absolument aucune influence sur la façon dont vous allez le traiter au niveau de l'évaluation. Si un jeune vous paraît, un jeune de 30 ans, il peut y avoir de la fraude, vous pourriez très bien tiquer sur si vous avez un jeune qui se présente pour une évaluation qu'à 30 ans, mais si voilà, vous n'êtes pas choqué par son âge, si le jeune il a le niveau, il doit intégrer le plus rapidement possible une classe et un dispositif de formation. J'en ai fini. Merci Hervé. Donc Alexia, on vous laisse la parole. Alors, c'est moi qui commence, mais je vais donner la parole à Alexia rapidement. Aujourd'hui, je vais donc parler de mon expérience de psychologue éducation nationale EDO. Là. Dans notre mission d'accueillir les jeunes EANA au CIO et de les aider à construire leur parcours scolaire et leur orientation,
Et nous allons parler d'un jeune en particulier, donc, alors on l'appelle Mohamed ? Allez, Mohamed. Donc cette présentation, je la fais en complément avec celle d'Alexia, qui suit Mohamed avant moi et plus que moi, dans le cadre de ses fonctions à la PJJ. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'illustrer donc comment notre coopération entre nos deux métiers et nos deux institutions, la PJJ et l'Éducation nationale, peut être bénéfique pour un jeune quand nos rôles et nos actions se complètent. Et on va voir comment les règles, les lois que vous avez rappelées sont parfois difficiles à mettre en œuvre sur le terrain. Voilà, je laisse la parole à Alexia. Je suis Alexia Père, je suis psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse à Paris, dans le 19e arrondissement. Alors, un mot sur les missions quand même. À la PJJ, on rencontre les mineurs isolés étrangers. Je suis comme Hervé, hein, je résiste à mon administration et je n'emploierai pas le mot de MNA parce que je refuse qu'on gomme cette dimension du fait qu'ils soient étrangers qui est celle qui pose problème et qui fait qu'ils sont discriminés. Donc, et ces mineurs isolés étrangers, on peut les rencontrer soit dans le cadre d'une mesure de milieu ouvert, ordonnée par le juge des enfants, après qu'ils aient commis un délit. Alors, vous comprenez que ça peut être compliqué en milieu ouvert quand ces jeunes vivent encore à la rue et n'ont pas de domicile ou ne sont pas placés, mais c'est une possibilité. On peut les rencontrer aussi parce qu'ils sont justement placés dans nos foyers. Ceux-là, c'est ceux qui ont de la chance, on va dire. Ou on les rencontre aussi beaucoup en quartier mineur parce que ces jeunes-là sont beaucoup plus incarcérés que les autres adolescents. Voilà, donc avant de présenter la situation donc, avec Florence, les organisatrices m'ont demandé de parler justement à la fois des discriminations et des obstacles qui sont faits à la scolarisation de ces mineurs isolés de ma place de psychologue à la PJJ. Donc comme je vous l'ai dit, ces mineurs que j'accompagne à la PJJ, eux, ils ont commis un ou plusieurs actes de délinquance. Donc vous imaginez à quel point ils doivent faire face à une exclusion encore plus importante que les autres des dispositifs de droit commun. Notre administration est à l'origine d'une note interministérielle du 5 septembre 2018 qui rappelle que bien que ces jeunes que nous accompagnons dans le cadre de mesures pénales parce qu'ils ont commis des délits, ils devraient aussi bénéficier d'une mesure de protection, puisqu'ils sont mineurs, puisqu'ils sont isolés, mais cette note est rarement appliquée. Et le fait d'avoir un administrateur ad hoc, un tuteur, une mesure aide sociale à l'enfance, et ben c'est une fois de plus, ce n'est que les plus chanceux qui en bénéficient. Alors, je n'accuse pas du tout l'ASE, hein, parce que cette institution, elle est tout autant fragilisée que la mienne, et c'est pas, enfin, on va pas, je pense pas que s'ils n'ont pas une responsabilité, c'est que l'État ne met pas les moyens nécessaires à la prise en charge de ces mineurs. Alors, pour ces adolescents, plus que pour les autres que je rencontre, leur délinquance est bien sûr une délinquance de subsistance, soit parce qu'ils vivent à la rue et consomment beaucoup de produits toxiques, soit parce qu'ils sont victimes de traite humaine. Mohamed, dont nous vous parlerons plus tard, l'explique. Quand il est arrivé à Paris, il a d'abord été sollicité par des réseaux de prostitution, puis par des réseaux de radicalisation violente pour partir en Syrie, et enfin par des trafiquants de drogue. Revendre de la drogue est ce qui lui a semblé le plus acceptable. Les mineurs isolés étrangers sont davantage incarcérés que les autres. C'est une réalité dont il faut être conscient. Pour les mêmes faits, deux adolescents qui vont passer devant un tribunal, évidemment, comme la justice des enfants prend en compte la situation des parents, la situation familiale, l'évolution du jeune, ces jeunes-là sont plus facilement incarcérés puisqu'ils sont seuls. Une fois qu'ils sont incarcérés, même si un juge des enfants auparavant les a reconnus mineurs, qui sont suivis par nos services, donc l'administration pénitentiaire peut se dispenser de les incarcérer en quartier mineur,
Et donc, ils se retrouvent avec des adultes et surtout, ils sont exclus ainsi des facilités de scolarité et de soins dont bénéficient les mineurs en France quand ils sont incarcérés. Et au prétexte que ces mineurs isolés n'ont pas de parents, ils sont souvent incarcérés loin de leur lieu de vie, donc de leurs repères. Parce que certes, les visites des parents au parloir, c'est important, mais ça veut dire qu'ils perdent absolument tout ce qui est cercle d'amis. Et voilà. Alors nous, c'est la spécialité, c'est en région parisienne, tous ces mineurs isolés remplissent les prisons de Normandie. Croire que les petits Normands ne commettent pas d'actes de délinquance, je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, évidemment que pour eux, les projets de sortie et les dispositifs d'insertion sont beaucoup plus complexes à construire, en raison notamment des difficultés à trouver des places d'hébergement adaptées et des problèmes liés à l'absence de papiers d'identité. Voilà. Donc là, je vais parler du système judiciaire, qui est en effet discriminant à l'égard de ces mineurs-là, mais évoquons l'école. Avant même de pouvoir penser à la scolarisation de ces adolescents et adolescentes, un long travail de réparation commence, pendant lequel les structures d'insertion, qui interviennent beaucoup sur la socialisation, telles que les unités éducatives d'activité de jour de la PJJ et les EDI, espaces dynamiques d'insertion, nous aident à rendre possible ensuite l'école. Nous sommes la plupart du temps les premiers à nous préoccuper de la santé physique et psychique des mineurs isolés étrangers, souvent fort dégradés. Très souvent, leurs premières plaintes et demandes sont somatiques. Leur corps qui a été objet de violences est aussi source d'angoisse et les séquelles somatiques sont nombreuses. Ces corps abîmés laissent entrevoir également une souffrance psychique que la consommation de substances tente d'apaiser et que les scarifications cherchent à externaliser. C'est pourquoi, par exemple, le service parisien de la PJJ, qui accompagne spécifiquement les mineurs isolés, leur propose très vite de passer le PSC1, prévention secours civique. Il s'agit d'apprendre à prendre soin des autres et de leur transmettre la valeur de la vie dans un processus de réparation de soi-même et de ses traumatismes et d'une histoire douloureuse. L'effondrement psychique est fréquent lorsque ces adolescents se posent enfin, qui sont accueillis en hébergement, qui n'ont plus à se soucier de leur survie quotidienne. C'est pourquoi il est tellement important à ce moment-là de leur proposer la possibilité de rencontrer un psychologue. D'autres éléments entrent en compte dans la réparation de ces adolescents. Avant d'être pris en charge par un juge des enfants, ils ont vécu une mise à l'épreuve de leur intégrité et surtout de leur identité lors des différentes évaluations de leur minorité. Une défiance généralisée à l'encontre de leurs paroles domine pendant cette étape. Se pose alors ensuite la question des attaches si difficiles à créer. Ils se sont sentis tellement trahis qu'ils ne peuvent plus faire confiance. Le financement des études est aussi un frein majeur à la scolarisation de ce public. Peu de mineurs isolés étrangers continuent à être pris en charge après leur majorité. C'est une réalité, que ce soit à la PJJ ou à l'ASE. Et même la minorité d'entre eux qui sont quand même suivis, forcément, ont des retards scolaires, dus à leur parcours migratoire, bien sûr, mais aussi au fait que, pour certains, ils n'étaient pas scolarisés dans leur pays d'origine, ce qui fait que les institutions sont amenées à privilégier pour ces jeunes, qui pourtant montrent des appétences certaines pour le savoir, des études courtes. En effet, en plus, il faut se le savoir, c'est comme ça, il est interdit à tout le monde d'économiser l'argent que l'État nous verse. Donc, par exemple, ces jeunes ne peuvent pas, pendant le temps où ils sont pris en charge, donc où ils n'ont pas à dépenser, mais que cet argent qui leur est versé, ils ne peuvent pas l'économiser pour plus tard, quand ils ne seront plus pris en charge et qu'ils pourraient faire des études. Ça, c'est interdit. Pareil, comme l'État les nourrit et les héberge, ils n'ont pas le droit de bénéficier de bourses pendant une grande partie de leur scolarité. Donc tout ça fait que forcément, c'est compliqué de continuer après le lycée. Bon, mais parlons de Mohamed, parce que ça, c'est plus encourageant. Alors, j'ai rencontré Mohamed à son admission à l'unité éducative d'hébergement diversifié. Une unité éducative d'hébergement diversifié, c'est un lieu de placement où les adolescents de 13 à 21 ans sont placés sur ordonnance du juge des enfants. Il y a une équipe composée d'éducateurs et d'un psychologue. Et
les jeunes que nous accueillons sont orientés soit dans une famille d'accueil, soit dans un FJT, soit dans un studio. Voilà, ce sont UHD, je le dis pour quand je le répéterai plus tard. Donc j'ai rencontré Mohamed à son admission à l'UHD. Il était placé par le juge des enfants et avait 16 ans. Il sera pris en charge par la PJJ jusqu'à 20 ans et 9 mois. Il a fallu batailler et on n'est pas arrivé jusqu'à 21 ans. J'ai choisi pour retracer son parcours de m'appuyer sur le courrier qu'il a rédigé afin d'obtenir son titre de séjour et qui met en avant, bien mieux que je pourrais le faire moi-même, les différentes problématiques rencontrées. Je reprendrai à chaque étape le travail qu'on a mis en place pour rendre possible puis soutenir sa scolarité. Alors, c'est Mohamed qui parle. Mon père était inspecteur d'académie, imam, conférencier international. Ma mère était commerçante. Nous vivions aussi avec la deuxième épouse de mon père et ses enfants. J'ai eu une enfance heureuse et privilégiée. Mes parents me chouchoutaient. J'ai eu une très bonne éducation dans l'enseignement privé à l'école française de ma ville. J'ai par exemple appris le français depuis l'école primaire et l'anglais au collège. À la maison, mes parents parlaient avec nous en français, en anglais et en arabe. À la maison, j'étais le préféré. Je devais prendre la relève de mon père pour réussir professionnellement. J'étais le seul à aller à l'école privée, à suivre mon père quand il faisait des conférences, même à l'étranger, ce qui créait des rivalités dans ma fratrie. En 2011, mon père est décédé du diabète. Et la vie a commencé à être compliquée. En 2013, c'est ma mère qui décède et ma grand-mère maternelle m'accueille chez elle. Elle n'était pas très aisée et ne pouvait plus payer l'école. J'ai dû abandonner en sixième. Ma sœur a été confiée à ma belle-mère qui vivait au Maroc depuis le décès de mon père. Notre famille a ainsi été disloquée. Je me sentais déprimée, triste et surtout seule. Je ne m'étends pas sur son parcours migratoire. Comme pour tous ses enfants, il a été émaillé de violences physiques, psychiques et sexuelles. Il porte sur son corps les stigmates de la traversée. Je ne parlerai pas non plus des raisons de son exil. Si ma clinique auprès de ces adolescents m'a appris quelque chose, c'est bien l'impossibilité pour eux de formuler, connaître, transmettre et raconter les raisons de leur départ. Ce que j'ai pu entendre des années plus tard, Mohamed venait d'avoir 20 ans, c'est une rare parole de regret. Si j'avais su tout ce que j'allais vivre jusque-là, je ne serais pas venue. À son arrivée à Paris, Mohamed connaît la rue. Il nous dit ne jamais avoir su qu'il pouvait bénéficier d'une protection. Au bout de quelques semaines dans la rue, il dit « J'en ai eu marre, j'ai fini par accepter l'idée de vendre de la drogue. J'ai vendu de la drogue pendant 2 mois, je n'ai pas aimé du tout ce que je faisais. Je n'avais pas le choix pour survivre. Je voyais les gens, les clients qui me donnaient tout ce qu'ils avaient mendié dans la journée pour une simple dose. Ça m'a fait mal. Ces gens-là sont malades et toi, tu leur piques leurs revenus. Tu les voles. » Ah oui, tu les voles et tu tues. Et les passants nous méprisaient. Je me sentais humiliée. Tu n'es jamais tranquille, tu dois courir, tu as peur des contrôles des policiers, ça te bousille le cerveau. 2 mois après, donc Mohamed est arrêté. Dans la cellule, j'ai craqué. J'ai pensé à mes parents, j'avais honte. Comme j'avais dit que j'étais mineure, ils m'ont fait passer un test osseux qui a déterminé que j'avais 15 ou 16 ans. Le lendemain, j'ai rencontré une éducatrice. Elle m'a dit qu'il existait des structures pour protéger les jeunes. Elle m'a dit que j'allais être placée, que je serais nourrie, logée. Je ne croyais pas ce qu'elle me disait, que j'ai fait une connerie et qu'on m'aide, ce n'était pas possible. J'étais sûre que ce serait comme la prison. Mohamed est alors placé dans un foyer d'accueil d'urgence de l'aide sociale à l'enfance pendant 2 mois et suivi en milieu ouvert par une unité éducative de milieu ouvert. Il dit « J'ai passé de bons moments là-bas, j'ai tissé des liens affectifs avec les éducateurs et quand je suis partie, j'ai pleuré. On mangeait bien, on avait des vêtures, le coiffeur était payé. Après ça, tu as besoin de quoi ? De rien du tout. » Après le foyer d'urgence, il arrive donc à la PJJ, à l'UHD, en janvier 2016 jusqu'à septembre 2020. D'abord placé dans une famille d'accueil, il intégrera rapidement, au vu de sa maturité, un studio. C'est là que moi je le rencontre, d'abord pour un suivi régulier, ensuite pour des entretiens de soutien lors de moments cruciaux, lors d'épisodes de stress post-traumatique. Il a de très bonnes capacités d'élaboration et peut entendre les retours qui lui sont faits. Ce suivi lui permet de mettre des mots sur les souffrances vécues, mais avant tout d'être un peu plus indulgent envers lui-même et de travailler des sentiments de honte et de culpabilité particulièrement envahissants. Il a pu dire que nos entretiens étaient le seul cadre où il pouvait parler de ses parents et qu'évoquer ses souvenirs lui faisait du bien.
Son inquiétude était de savoir s'il déprimait et s'il pouvait se soigner. Ce travail à visée thérapeutique a permis de le rassurer quant à la légitimité de la souffrance ressentie. Parallèlement, l'éducatrice accompagnait Mohamed dans un long parcours de santé, démarche importante pour Mohamed qui vit très mal les stigmates inscrits dans son corps des violences subies, la vision d'un œil perdu, le mal de dos handicapant et les troubles du sommeil. De plus, Mohamed a pu très vite exprimer de nombreuses envies, se projeter dans diverses activités, utiliser les moyens d'expression artistique différents et expérimenter plusieurs voies qui lui ont permis de retrouver une confiance en soi. Alors, toute cette étape-là, ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, il a été inscrit à l'espace dynamique d'insertion de Saint-Denis, où il est resté 6 mois. Voilà ce qu'il en dit. On n'est pas encore à l'école, hein, donc, mais bon. Pendant 2 mois, je restais dans mon coin, bien que les autres jeunes et les éducs soient sympas, parce que j'étais déprimée, pas bien dans ma tête. J'aurais voulu aller vers eux, mais je pensais à des trucs bizarres que j'avais vécu, la mort de mes parents, le fait d'avoir vendu de la drogue, d'être seule. Ensuite, avec d'autres élèves, on a pris l'habitude de faire des sorties et j'ai enfin appartenu à un groupe d'amis soudés qui m'ont aidé à briser la carapace qui m'empêchait d'aller vers les gens, de sourire, de rigoler, de s'amuser, de prendre du plaisir. Grâce à eux, j'ai retrouvé le sourire et mon humour. Ce que dit Mohamed, c'est que pour bénéficier des effets positifs de l'apprentissage, il est nécessaire d'aller bien et il souligne également l'importance du groupe de pairs. D'où, j'entends qu'il est très important de scolariser ces mineurs isolés très vite quand ils arrivent, parce que effectivement c'est la condition pour absolument obtenir un titre de séjour. Mais ce que je pense aussi, c'est que avant de pouvoir être scolarisé et avant que cette scolarité soit profitable, il y a tout ce travail de réparation à faire. Donc je termine sur ce qu'il dit. Pendant ce temps-là, j'ai fait un bilan pour réintégrer une scolarité. Je me suis ainsi sentie encouragée. Et donc ce bilan, il l'a fait avec le CASNAP dans une première étape. Et je le rencontre à ce moment-là pour l'accueil classique que vous connaissez tous au CIO. Et je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je constate que mes entretiens avec les jeunes ANA, ils ne ressemblent pas à ce que je peux faire avec des jeunes qui ont suivi leur scolarité en France depuis le début. Parce qu'ils sont vraiment, pour moi en tout cas, très difficiles. Il est très difficile pour moi, je veux dire, de faire émerger la parole du jeune sur ses intérêts propres. Ce qui s'exprime, c'est des projets qui leur ont été transmis. En tout cas, ça donne pas l'impression que c'est les leurs. Souvent, ils le disent d'ailleurs. Mes parents veulent que, voilà. Des projets d'ascension sociale, hein, des projets d'insertion, d'autonomie. Bon, on n'est pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive pas à faire émerger des intérêts. Ça me plaît. J'aime faire ci. Bon, ça, pas du tout. Hein. Et c'est le cas pour Mohamed. Alors même que Mohamed, lui, il a su se saisir et il est très, très, très demandeur. D'activités créatives qui l'aident à s'exprimer. Il fait du théâtre. Mais bon, ça n'empêche pas que l'entretien, le premier, il ressemble un peu à tous les autres avec les ENA. Hein. Donc, il reste évasif sur les motifs personnels, comme le disait Alexia, ben moi pas plus, qui l'ont poussé à partir du Sénégal. Donc, c'est du Sénégal qu'il vient. Et il laconique sur son parcours de migration, même si déjà il évoque, dans le premier entretien, certains des événements dramatiques qui l'ont marqué. Bon, il en parle quand même, hein. Il a interrompu ses études en 6e, vous avez entendu, au Sénégal 5 ans avant, quand je le rencontre. Il grappille déjà, là, depuis le temps qu'il est arrivé, enfin depuis à peu près un an, c'est ça. Hein. Il grappille des cours par-ci par-là. En fait, il est déjà inscrit à la médiathèque, dans une association de quartier, sur Internet, avec la PJJ. Il fait le maximum pour suivre des cours. Et l'évaluation des professeurs du CASNAV qui font le test français maths après l'entretien. Il donne un niveau 4e-3e, alors qu'il est plus scolarisé depuis 5 ans et qu'il est en 6e au Sénégal. Je m'appuie sur sa curiosité pour l'informatique, comme ça, un truc, et les compétences qu'il dit avoir acquises dans ce domaine pour l'aiguiller sur un bac pro au système. Alors à l'époque, c'était système électronique et numérique, où je sais qu'il y a des places au moment où il arrive là. Avec ce bac pro, où la théorie garde sa place, parce que Mohamed, quand même, il arrive à dire qu'il veut faire des études théoriques, hein, pas un bac pro, c'est trop pratique. Enfin, quand je lui explique ce que c'est, il me dit « Ah, pas la pratique ». Donc, le bac pro système électronique numérique, je me dis « C'est un
voilà, une espèce de compromis comme ça. Et surtout, les études, les poursuites d'études sont possibles. Donc, je fais tout ce qu'il faut. Alors, quand je dis ça, ça veut dire avec une certaine inventivité. Inventivité au sens où Yves Clos entend que l'inventivité, c'est quand on crée sa propre façon de faire avec les contraintes, n'est-ce pas, du cadre de travail pour que ça marche, que le travail soit bien réalisé, même si tout n'est pas facile avec l'éducation nationale et ses règles. Je fais donc tout ce qu'il faut pour que Mohamed puisse bénéficier de cette place. Bon, il n'y a pas que lui, hein, avec qui, mais lui, voilà. J'ai donc été celle qui connaît le système éducation nationale pour savoir quelle scolarité peut intéresser ce jeune, plus ou moins, là, franchement. Hein. Au départ, dans mon idée, en fait, ça va se réaliser, mais c'est un peu un pari comme ça. Mais aussi, comment demander la place. Voilà, je suis aussi celle qui sait comment demander la place en classe et l'obtenir. Puis, dans le rôle de celle qui essaie de valoriser, c'est la suite, les réussites de Mohamed et de l'encourager à progresser dans ses études et à se montrer ambitieux. Et ce rôle, je le partage évidemment avec Alexia. Et ça rejoint ce que disait, ce que, en tout cas, tu avais dit surtout pendant la préparation et que tu as dit un peu trop rapidement, mais c'est très important, évidemment, c'est l'importance du suivi de ces jeunes. Un truc qu'on n'a jamais trop le temps de faire avec tous, mais il ne s'agit pas juste de les scolariser, il y a tout un suivi à faire. Et tu le disais aussi, hein, pour le CASNAP, c'est le rôle du CASNAP de suivre. Je laisse la parole à Alexia. Alors, enfin, plutôt à Mohamed d'ailleurs. C'est ça, c'est Mohamed qui parle. J'ai pu reprendre le lycée en seconde professionnelle système électronique et numérique. Depuis, j'ai suivi sans difficulté. J'ai été le premier de ma classe 2 trimestres de suite. J'ai donné satisfaction lors de mes stages. Ça n'a pas été facile de m'intégrer au lycée. J'avais peur de ne pas réussir puisque j'étais directement passée en seconde. Pour acquérir le niveau demandé, j'ai pris des cours de soutien scolaire au sein du lycée, mais aussi à l'extérieur. Il y avait certaines matières que je n'avais jamais étudiées. Parce qu'effectivement, trouver enfin une place pour un adolescent déscolarisé ne suffit pas à garantir qu'il soit scolarisé. Enfin, en tout cas, moi, quotidiennement, c'est ce que je vis de ma place de psychologue à la PJJ. Pour Mohamed, comme pour les autres, il a été nécessaire la première année d'accompagner la reprise des cours, d'être attentive aux mouvements psychiques exprimés ou mis en scène par l'adolescent. Nous avons pu mettre en place du soutien scolaire, par exemple. Puis surtout, j'ai beaucoup reçu Mohamed cette année-là. Pour lui, la réussite scolaire était primordiale, tant pour obéir aux injonctions paternelles que pour donner un sens à son départ du Sénégal. Chaque échec, chaque difficulté engendrait une grave atteinte de l'idéal du moi qui incitait Mohamed à parler d'abandonner ses études. La découverte du lycée a été difficile pour lui. La non-mixité de genre et de classe sociale l'a déconcerté et l'a atteint narcissiquement, avant qu'il en fasse un outil pour sortir du lot. Mohamed a également eu du mal à accepter les difficultés de ses professeurs à faire régner la discipline en classe. Ça lui était insupportable. Le chahut, le manque d'investissement scolaire des autres élèves ont généré à ce moment-là une rigidification du surmoi et de ses mécanismes de défense, ce qui a entraîné l'adolescent à abandonner son suivi en art-thérapie et à contester l'utilité des entretiens psychologiques, ainsi qu'à clamer son admiration pour différents dirigeants politiques autoritaires à travers le monde. Heureusement, son investissement des clubs de débat et d'éloquence, merci système scolaire français, l'ont ouvert à davantage d'empathie pour l'autre. Je laisse une dernière fois la parole à Mohamed. Au moment des élections, les autres élèves et le professeur principal ont insisté pour que je devienne déléguée de classe. Je les ai prévenus que je serai loyale envers l'autorité et que je ne défendrai pas ceux qui mettraient le bordel ou ne respectent rien. J'ai été élue, puis réélue l'année suivante. Cette année, je suis devenue en plus vice-présidente du conseil de vie lycéen et membre à part entière du conseil d'administration. Je trouve important de m'investir dans la vie de mon lycée pour améliorer la vie des élèves. Un des projets ou des rêves de Mohamed est de s'inscrire dans la vie politique. Il a beaucoup à reprocher au système politique français, mais il pense que c'est nécessaire. Voilà, donc, Mohamed n'est toujours pas naturalisé, on vous le dit quand même après. Pourtant... Donc, je continue à me tenir au courant des suites de la scolarité de Mohamed, surtout par mail, et puis de temps en temps, je le vois. Je suis ses progrès, ses difficultés,
Et donc, à un moment, il s'agit de le conseiller dans la suite de ses études. Il se dévalorise toujours, alors même qu'il est premier de la classe et compagnie. Il se montre très exigeant, intransigeant. En fait, il argumente en disant « Oui, mais là, j'ai une mauvaise note. Oui, mais là, ils écrivent ça, mais en fait, ils sont gentils. » Il se pose beaucoup de questions. Effectivement, il critique. Bon, ça, tu l'as déjà dit, je ne vais pas répéter. Ce que je remarque dans les entretiens avec moi, c'est qu'il interroge souvent les limites. Il me parle de choses qu'il dit faire et qui sont plus que limites. Et je dois rappeler le cadre. Et en plus, le cadre de la loi, mais aussi et surtout le cadre de mon intervention. Comme beaucoup de jeunes étrangers pris en charge par un service éducatif, il est pris par des injonctions qui le contraignent. Ça va vous rappeler certaines choses. C'est-à-dire qu'il doit préparer son autonomie financière parce qu'il a, à un moment, il a proche de 18 ans alors qu'il n'a même pas fini son bac. Hein, c'est ça. Voilà. Et donc, il ne sait pas, voilà, parce qu'évidemment, ça ne se sait pas à l'avance trop, il ne sait pas s'il pourra être aidé au-delà de 18 ans. Donc, il a à la fois l'envie de faire des études bac plus 5 ingénieur, mais en même temps, il se dit, il faut que je trouve le moyen de travailler vite. À un moment, il se projette sur un BTS en alternance. Un peu aussi conseillé par les profs. Bon, c'est un peu la suite du bac pro. Bon. Il doit faire des démarches pour que sa situation soit régulière quand il aura 18 ans, s'il veut signer un contrat. Et tout ça, il le fait en parallèle. Il a les démarches administratives, il faut qu'il soit autonome, il vit dans son studio, il faut les études, il est conseil de la vie lycéenne, bon, tout ça en même temps, la santé en plus. Sa curiosité, son besoin de s'exprimer, son envie de culture l'amène dans des projets culturels dont elle a parlé un petit peu, mais qui sont vraiment importants pour la construction de Mohamed. Et donc il aide aussi, c'est vraiment quelque chose qui le soutient aussi dans sa scolarité. Il y a des allers-retours pour lui qu'il arrive quand même à faire. Et donc au lieu de viser son BTS, là moi je le pousse à candidater en licence sciences pour l'ingénieur en méthode et sciences industrielles au CNAM, à l'Institut Vaucanson. C'est une licence rare, je pense unique, car elle est faite pour les bacs pro, cette licence, en 3 ans, en alternance, donc gratuite, rémunérée. Avec, pour vous dire, là j'ai regardé les chiffres de maintenant, combien 90% de réussite de ceux qui entrent en L1 et qui sortent avec la licence validée au bout de 3 ans, donc très peu d'abandon, et quasiment tout le monde a une suite, soit d'études, soit insertion. Voilà, et donc je le pousse, mais je le pousse à ça, en fait. Bon, voilà. Et après, il candidate, il s'y prend très bien, c'est-à-dire qu'il écoute les conseils. Mohamed, il arrive au moment où je m'en occupe, grâce à l'aide de la PJJ, il a retrouvé la confiance, enfin j'ai retrouvé ou trouvé, je ne sais pas, la confiance dans les professionnels qu'il croise. Et donc il écoute les conseils. Combien de fois on a dit qu'il faut aller aux journées portes ouvertes si possible avant, dès la première, quand c'est sélectif, pour te renseigner. Et bien là, lui, il le fait. C'est-à-dire il est en première, il va aux journées portes ouvertes de Vaucanson. Et donc il est fin prêt à tel point qu'il est pris. Et il y est là. Voilà, il est maintenant en troisième année et il s'agit pour lui de continuer. Il parle de candidater dans une suite d'études, toujours en alternance pour pouvoir être autonome puisque, entre-temps, il n'a plus de prise en charge. Ah oui, je dois citer ce qu'il dit. Il dit, mon projet pour mon installation en France, c'est la fin, je crois, de son texte là qu'il doit faire pour gagner son titre de séjour. Mon projet pour mon installation en France, c'est de devenir ingénieur dans la sécurité informatique. Sécurité informatique, vous voyez ce que je veux dire, et de fonder une famille et de faire de la politique, donc. Et il dit ça. Oui. Alors, plus exactement. Ah oui, j'ai pas fini, excusez-moi. Ah oui, je termine sur. Je reprends la parole pour on moi. On termine vite, parce qu'on a pris beaucoup de retard déjà, et si on veut laisser un donc, peu par cette situation, il me semble qu'on voit que c'est ça, d'abord, ça finit pas toujours mal, n'est-ce pas? Parce que pour lui, ça finit plutôt bien. Et que si ça évolue plutôt bien pour l'instant, en tout cas, et espérons-le pour la suite, pour ce garçon, c'est vraiment grâce à une coopération de plusieurs professionnels, déjà à la PJJ, puis autres, parce qu'il a été inscrit dans des cours qui l'ont amené au théâtre, enfin bon, voilà. Donc plein de coopération autour de lui. C'est important vraiment de se saisir des partenariats quand c'est possible, il me semble. Surtout qu'au départ, c'était quand même mal parti. Il était dans un début qui était très compliqué.
Bon, voilà, après, je crois que je vais arrêter là. Voilà, et puis moi, je pense que ce qui m'a toujours tenue dans ce suivi, c'est de m'appuyer, d'utiliser les ruses, les compétences et les ressources que me donne mon métier et le collectif du CIO. Vraiment. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, pour de vrai. Oui. Parce que toute seule, on n'ose pas des fois. Hein. On ne sait plus. Voilà. Moi, c'est comme ça que je... Parce que je me suis interrogée là pour préparer, évidemment. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que je me suis accrochée comme ça? Ben, c'est ça, entre autres. Et puis aussi son ambition. Deux dernières phrases, voilà. Vraiment. On m'entend, là, je n'ai pas l'impression. Oui, vous m'entendez? Vous m'en... Oui. Oui, alors deux dernières phrases. Il est souvent pour dire qu'il est vraiment nécessaire pour mener à bien ses prises en charge. Souvent, il faut se battre contre son institution. Là, nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour obtenir avec un magistrat qu'un adolescent soit accompagné après sa majorité. Nous l'avons fait au sein même de la structure dans laquelle j'intervenais. On s'est battu avec notre hiérarchie pour que Mohamed continue à être accueilli, puisqu'à un moment, quand les adolescents vont bien, l'idée c'est qu'ils n'ont plus leur place là, puisqu'il faut laisser la place pour des jeunes qui vont moins bien, alors même qu'il est mineur isolé étranger et qu'il n'avait aucune solution. Voilà. Tout ça pour dire que la loi seule ne suffit pas à protéger. Si nous nous en étions tenus au texte de loi, sans cette double prise en charge complémentaire, le parcours de Mohamed n'aurait pas été tant facilité et la réussite de l'adolescent aussi flagrante. Voilà. Merci. Alors nous avons vraiment dépassé le timing puisque nous avons quand même commencé déjà une demi-heure en retard. Je pense qu'il faut quand même prendre le temps. Si vous avez des questions, peut-être, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Des remarques ou des témoignages ou des expériences? Alors, pendant que vous cherchez vos questions, j'en profite, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, pour vous présenter cet ouvrage. Donc, la PsyEN y a contribué, mais vous avez aussi tout un tas d'organisations qui travaillent sur les questions d'enfance. Il y a des collègues de la PJJ, il y a des collègues d'associations de création. Voilà, c'est tout le secteur qui s'occupe de l'enfance au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est-à-dire... c'est aussi nos adolescents et nos jeunes adultes. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle « Enfance, l'état d'urgence », qui, quelque part, y a des choses positives, mais on va retrouver beaucoup de constats qui correspondent à des choses qui ont été échangées depuis ce matin. Donc cet ouvrage, vous le trouverez là-haut au stand, et en tant qu'adhérent, vous avez un prix spécifique, puisque nous sommes contributeurs de l'ouvrage, et donc vous pouvez... l'acheter à un prix très intéressant, mais du coup aussi pour le diffuser. Parce que je pense que dedans, en plus de nos mots et de nos paroles, il y a des idées à diffuser sur enfance, l'état d'urgence. Merci. Vous n'avez pas des questions ou des remarques? Pas de remarques, des questions? Ah. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour donner le micro. Il y a une main qui s'est levée par là. Ça ne marche pas ? Si ? Non ? Oui. Alors, c'était pour vous remercier et vous peut-être apporter de l'eau à votre moulin, parce que j'ai également eu ce type d'élève l'année dernière. Ça m'a fait vraiment écho. Hein. Je travaille dans un lycée professionnel tertiaire, donc un élève qui était en seconde GA, qui vient me voir, Abdoul, pour aller en seconde GT. Et qui me dit je peux pas y aller parce qu'il faut que je fasse un bac pro, il faut que j'ai une formation professionnelle, et qui est passé par tous les états dans mon bureau plusieurs fois, hein. Et donc je peux vous avouer qu'à des moments il m'agaçait, bon je lui montrais pas,
Et je me disais, mais pourquoi il se plaint? J'ai mieux compris. Hein, quand vous disiez le découragement, etc., j'arrête tout, parce qu'il me disait, oui, je vais tout arrêter, j'en ai marre, il partait de mon bureau. Quand je lui disais que, bon, voilà, il pouvait faire un bon bac pro et faire un BTS après, mais il ne voulait pas. Après, il a eu une autre idée, il voulait faire électromécanique marine, avec toutes les difficultés que ça avait de faire un dossier d'un élève qui était déjà en seconde pro, où il fallait des papiers, notamment un casier. Enfin, je veux dire, donc les éducateurs se sont mobilisés énormément. Et c'est vrai que moi, je lui ai aussi parlé de maintenance nautique en lui disant, écoute, si t'es pas prêt en électromécanique marine, il y a maintenance nautique. Non, non, je veux pas ça, je veux que ça, ou j'arrête tout. Et j'étais très inquiète pour lui, et finalement, il a été pris. Voilà. Et donc, mais à chaque fois, c'est vrai que j'ai ressenti entre du découragement, le fait de se dévaloriser, de dire je suis nul, tout est nul, le système est nul, et en même temps, à la fin de l'entretien, merci madame, merci de m'écouter. Enfin, quand je le convoquais, il arrivait immédiatement dans mon bureau, voilà. Donc. Il m'a ramené 4 fois les mêmes papiers. Enfin voilà, mais vraiment c'est le même type de profil. Voilà. Donc merci. Il reflète bien les contradictions par lesquelles on passe aussi face au système. Hein. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que moi ça m'a permis de comprendre aussi mieux un petit peu. Enfin, j'aurais pas l'homme. Enfin bon, même si j'avais le regard attaché à ce jeune au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'en premier entretien, j'avoue que j'avais pas ce regard-là. Hein. Je me disais, mais pourquoi il se décourage? Il a 15 de moyenne, et il me disait, mais je suis nulle, je vais tout arrêter, voilà. Donc maintenant, ça m'éclaire beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, je pense que tout le monde a besoin d'une pause. On va peut-être remercier les intervenants. D'accord. C'est ce que je vais faire. D'accord. Alors, juste 2 secondes, les 8 congressistes qui n'ont pas de badge doivent se présenter à l'accueil. Et il y a des clés de voiture qui ont été retrouvées et qui sont à l'accueil à la MDVA, des clés en forme de fée.